C'est le Dominion. Aide les sentinelles à les repousser. Et bonjour à tous et à toutes, c'est Morgan et je vous retrouve pour la deuxième vague de contenu que j'avais pu enregistrer lors de l'événement de preview à Londres organisé avec le programme EA Game Changers. Et donc ça y est, l'embargo tombe sur cette seconde moitié de contenu et on va donc se voir dans deux vidéos. Et cette première vidéo, eh bien, elle va s'intéresser aux contrats. Donc les contrats, plusieurs choses à savoir, c'est une activité qui va participer au endgame, ça vous est donné par l'une des trois factions. Vous avez trois factions présentes dans le jeu et ils vont vous donner ces contrats. Dans leur version légendaire, ce sera donc du endgame. Vous aurez aussi des contrats auparavant dans le début de l'aventure. Mais à la fin, lorsque vous aurez atteint le niveau max, là vous aurez les contrats de plus haut niveau qui vont vous permettre bien sûr d'obtenir du loot en conséquence. Vous le verrez d'ailleurs à la fin de ces vidéos. J'obtiens donc du loot magistral. Précision importante parce que vous allez tout de suite vous en rendre compte, vous allez dire ça c'est du endgame. On venait de faire une activité assez difficile et du coup en fait on n'a pas vraiment mesuré le fait qu'on avait des personnages bien plus stuffés sur ce contrat et du coup on a lancé le contrat en normal en fait alors qu'on avait des javelins suréquipés qui étaient donc à plus de 400 de puissance de combat. Donc sachez-le, lorsque vous êtes en normal ça passe très très bien avec une puissance de combat à 400, vous verrez dans la seconde vidéo quelque chose de justement bien plus complexe puisqu'on a joué en niveau grand maître autre chose, vous le verrez juste après. Et donc si on en revient à ces contrats, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir répéter, vous allez pouvoir refaire des contrats pour looter. Je vous rappelle d'ailleurs que selon la difficulté que vous mettez, vous allez avoir plus de chances d'obtenir des loots plus puissants. Et justement sur cet aspect de répétition, les développeurs lorsqu'ils ont présenté justement un stream dédié aux contrats, ils ont bien précisé que ces contrats seraient très variés et qu'en gros on n'aurait jamais deux fois d'affilée la même quête finalement donnée par le personnage pour réaliser ce contrat, justement bien sûr pour rendre l'expérience plus agréable hein, sur le fait qu'on va répéter ses missions. C'est le principe de ce type de jeu, hein, de toute façon hein, on tue des ennemis, on loot et on recommence et on se stuff de plus en plus. Et rien que dans le contrat auquel on a eu accès, il est vrai qu'il y avait déjà une variété dans le contenu. On a dû protéger des troupes, on a dû ouvrir une espèce de porte, on a dû combattre un Escari, hein, cette grosse bestiole que vous avez eu l'occasion de voir dans l'émission de la démo. Donc pas mal d'ennemis différents au final, et ça c'était plutôt appréciable. Et au passage je vais vous montrer un élément de décor qui a retenu mon attention. C'était vraiment une espèce d'abysse au milieu de la map, hein. Ça a l'air plutôt pas profond finalement quand on approche. Et puis finalement c'était très profond et j'aurais bien passé un petit peu de temps à explorer. Bon j'étais dans le cadre de la mission donc je pouvais pas non plus prendre trop de retard. Mais c'est un endroit, quand je le reverrai dans le jeu, j'irai faire un tour de façon plus approfondie parce qu'à mon avis il doit y avoir des choses cachées dans ce gouffre. Hein. Il y avait vraiment pas mal d'espace sous l'eau et je pense qu'il y avait dans les petits recoins peut-être des éléments à aller chercher. Donc ça c'est vraiment une zone que je voulais absolument vous montrer et que je n'ai pas pu vous montrer dans la première embargo puisqu'il s'agissait de gameplay issu du contrat. Et bien sûr également ça me permet de vous montrer du gameplay avec l'intercepteur. J'avais peu de gameplay à vous montrer sur ce que j'avais en preview sur la première partie du jeu, mais sur le endgame on a toute cette mission que j'ai réalisée avec l'intercepteur. On en a déjà parlé aussi dans une vidéo dédiée bien sûr, mais là vous le voyez en action dans un nouvel environnement avec un build très axé sur les shurikens. Donc j'avais pris un des deux builds qui était proposé, en fait chaque personnage, chaque javelin avait deux builds par défaut, on pouvait tout à fait les personnaliser, mais du coup j'ai pris un des deux builds qui était déjà fait puisque fallait que j'aille rapidement dans la mission. Et donc celui-ci était axé sur les shurikens, avec même des shurikens donc, qui traquent la cible, et des shurikens qui givrent 5 cibles. Et puis aussi bien sûr beaucoup de corps à corps, c'était aussi ma première prise en main d'un pistolet mitrailleur dans le jeu, donc les revolvers hein, mitrailleurs. J'ai trouvé ça vraiment sympa à utiliser, contrairement à ce que je m'attendais à avoir, j'ai trouvé ça plutôt efficace. D'ailleurs je les ai rejoués aussi dans la démo, hein, ces pistolets lourds et pistolets mitrailleurs. Et puis là du coup j'avais un shotgun en arme secondaire. Et du coup comme je vous dis au niveau des loots, quand je vois que j'ai déjà obtenu, il y a pas mal d'épiques qui sont tombées, hein, et j'ai obtenu aussi du magistral à la fin de ce contrat alors qu'on l'avait lancé en normal, j'imagine que dans des difficultés supérieures ça va être vraiment intéressant en termes de loot. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai remarqué, qu'on peut voir aussi sur la démo, hein. Lorsqu'on termine une activité dans Anthem, je trouve qu'on est vraiment largement récompensé, et ça c'est cool. On n'a pas le sentiment d'être lésé, hein. Parfois c'est le cas dans certains jeux, on va se dire mince, j'ai pas looté, et puis j'avais qu'une chance de loot. Quand on fait un raid par exemple, moi là sur Destiny j'essaie d'avoir un fusil à pompe en particulier, et j'ai finalement quoi, 3-4 chances dans le raid de l'obtenir. Bon bah c'est pas assez finalement en ressenti, même si c'est carrément différent comme modèle, hein, puisqu'on peut le faire qu'une fois par semaine au niveau des loots. Là on va pouvoir recommencer à loisir, hein. Donc c'est vraiment un fonctionnement plus à la Diablo finalement. Donc après c'est deux modèles différents, mais je trouve ce modèle là moins frustrant pour le joueur et sans doute plus plaisant sur le long terme. J'ai en tout cas bien apprécié à chaque fois avoir toutes ces vagues de loot.
Et puis on commençait bien à se le dire, hein, finalement, ah bah, moi j'ai eu ça, ah là je vais pouvoir faire un nouveau build. Tout de suite on pouvait faire des modifs sur nos javelins après chaque mission en fait. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment top. Voilà du coup pour mon petit retour sur les contrats, qui sont donc, je le rappelle, une activité endgame. Là on était en normal, ce sera bien sûr plus difficile dans d'autres difficultés, et si vous voulez voir de la difficulté, eh bien on se retrouve dans la vidéo suivante.